بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mes sœurs, mes frères, les louanges, les Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul lit d'adoration j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'elle a ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, on nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce cercle de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel qui est bénéfique pour les croyants. Dans cette série, cet épisode, donc le treizième de, des actes d'adoration du cœur, nous avons été créés pour adorer Allah, et certainement les meilleurs des actes sont ceux qui viennent du cœur. L'administratif ne doit venir que confirmer le contenu du cœur. Nous avons vu grâce à Allah au travers de ce qui nous a enseigné et pour lui nous l'espérons, c'est un nombre de vertus, c'est un nombre de propriétés, c'est un nombre de dons que Allah a dont il a gratifié un certain nombre donc, de gens qui sont les croyants et la semaine dernière, mardi dernier, nous avions vu donc le remerciement qui vient après la reconnaissance. Et les gens de science disent que la foi consiste en deux choses. Le remerciement et la patience. Le remerciement et la patience, comme d'autres ont dit, que c'est le retour vers Allah SWT, et le tawakkul, c'est-à-dire le fait de, se, de mettre sa confiance en Allah. Ce sont des termes qui sont tous là pour a, a ramener vers le le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde d'une part et sa justice d'autre part. Miséricorde, générosité, bonté, et justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. En réalité, donc, la, la patience, on le fait dire à Ibn Mas'aud a l'agré, un des nobles compagnons, peut-être, on dit le sixième, peut-être, que Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié, dont il a gratifié de la foi, Parmi les compagnons du prophète, Ibn Mas'oud, qui celui qui ressemblait le plus, on disait, d'un point de vue caractère, d'un point de vue comportement, au prophète Mohammed, Ibn Mas'oud, on lui fait dire que la patience, c'est la moitié de la religion. L'imam ibn Qayyim, cet enseignant qui s'est beaucoup intéressé à la foi, à l'âme, nous enseigne que la foi, la patience, est à la fois ce que la tête est au corps. La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Il est évident que sans patience, il n'y a pas de foi. Et comme sans tête, il n'y a pas de corps. En effet, la patience, Allah l'a associée à beaucoup de choses. Dans la foi, la piété, la miséricorde, le pardon, le paradis. La félicité, disons toute la foi. Toute la foi voit avec la patience. Ce que nous appelons patience, c'est ce qu'on appelle en arabe le sabre. On peut le traduire selon, bien entendu, le contexte, hein, soit par l'endurance, soit la persévérance, soit la patience, soit le contentement. Ça dépend de, du contexte. En arabe, sabara, c'est patienter. C'est sabara, c'est le habs, c'est la prison. C'est emprisonner, c'est retenir l'âme de se plaindre, l'âme de désespérer, de se laisser aller à des tergivers... de et retenir, empêcher la langue de se plaindre à autre qu'Allah, subhanahu wa taala, et retenir les membres de faire des choses qui sont immorales. J'entends par là, on entend ou on vit une situation difficile, on se met à dire sur Allah le contraire de la vérité. Et pourquoi il m'arrive ça Et qu'est-ce que Allah ne, ne voit-il pas que je suis ceci, cela Je ne peux vraiment pas supporter. Quand on se plaint d'une situation qui a été décrétée, c'est comme si on se plaignait d'Allah. Par contre, les prophètes, dont Ayyub, peut-être le plus éprouvé, on dit le prototype même de la patience, qui est resté pendant 18 ans était malade. On dit qu'on ne voyait pas sur le corps de Ayub, il n'y avait pas un centimètre carré qui n'avait pas été touché par la maladie, c'est-à-dire par une plaie. Et il est resté dans cette position. Ce n'est pas parce qu'il avait fait des péchés. Il est resté dans cette position parce qu'Allah a voulu lui donner un exemple. Et quand Allah aime, il éprouve. Le prophète nous a enseigné que quand Allah aime quelqu'un, il éprouve au point de rencontrer la personne, c'est-à-dire à sa mort, sans qu'il n'ait aucun péché. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a des épreuves que l'on va conclure que ces épreuves traduisent son éloignement d'Allah ou le mécontentement d'Allah. Par contre, il est évident, c'est une question récurrente, quand une chose t'arrive, comme Allah dit, il y a Mohammed, on t'interroge pourquoi, après Ohud, la bataille mémorable en troisième année de pourquoi, les compagnons demandent pourquoi il leur est arrivé ce revers. Dis-leur, ça vient de vous-même. Donc quand une chose nous arrive, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message Qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message Ça me rappelle ce frère, la le reforme et le bénisse, qui me disait, pendant une semaine, je n'ai pas réussi à gagner le premier rang dans la prière obligatoire. Je me dis, Allah ne veut pas de moi dans la meilleure des places qui est le premier rang. Donc se reformer, se poser la question de faire son examen de conscience pour dire quel est le message qu'Allah veut me faire passer, ça c'est un bon réflexe. Par contre, juger les autres, ah, il a dû y arriver tel, tellement de choses, il a dû vraiment désobéir à Allah pour qu'il soit dans cet état-là. Ceci, c'est un mensonge, c'est un manque d'humilité et c'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis -vis de ses créatures. Donc revenons à la définition par principe. Que l'on se comprenne. Donc, le, la patience, ou ce qu'on appelle le sabre, ça vient bien entendu de l'arabe, sabara, c'est le habs, c'est la prison, c'est retenir. Allah dit à son prophète Muhammad, dans une surat que l'on connaît, surat 18, verset 28, puisqu'on le lit, il est conseillé de lire cette surat tous les vendredis. Surat 18, verset 28, Allah dit, Retiens ton âme, en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Donc c'est le fait de se retenir, de retenir les tergiversations de l'âme, de la langue, de se plaindre d'Allah auprès des créatures et des organes comme quelqu'un qui a perdu par exemple un être cher qui se frappe les joues comme ça se faisait, se déchire les habits ou se tire les cheveux, que les organes se mettent donc à manifester leur non-contentement du décret divin. Donc se plaindre des gens, parce que le cœur s'est plaint, plaindre auprès des gens, se plaindre du créateur de son décret. Donc le, la patience, ça peut concerner le cœur, ça peut qui ensuite concerne donc la langue, puisque la langue n'est que le reflet donc, de ce qui est dans le cœur, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik, agré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, le, la, la droiture, dans la, dans la foi ou dans la religion, ne pourrait être se réaliser que si là, le cœur est droit. Et le cœur ne sera vraiment droit que si la langue est droite. Dans la mesure où la langue va donc trahir le fond du cœur. Là, nous parlons des adorations du cœur. Donc c'est cette capacité, cette vertu que Allah a donnée à nombre de gens, mais ils sont peu nombreux, en réalité pour leur permettre donc de d'avoir un certain nombre d'un comportement digne comme on le verra Allah. il y a différents niveaux bien entendu le meilleur niveau c'est celui des prophètes et même entre eux comme Allah dit à son prophète sallam wasbir comme mohammed patiente comment patienter les prophètes de la détermination c'est-à-dire les quatre autres qui sont dans leur chronologique noé abraham moïse et Jésus, que Dieu les bénisse tous. Ils ont été, justement, Allah les a choisis parmi les 315 messagers, eux-mêmes choisis parmi les 124 000 prophètes, et les plus éprouvés ont été les prophètes. Donc, plus éprouvés que les prophètes, ce sont les messagers, qui eux-mêmes sont prophètes, bien sûr. Les plus éprouvés des messagers, ce sont les cinq, qu'on appelle les cinq digne de la détermination Et donc Allah les a éprouvés Parce qu'il les a aimés pour les lever un degré En effet, il n'y a pas Un événement qu'on n'aime pas Appelons-le le mal Et le mal ne provient pas d'Allah Allah ne fait que le bien Que dis-je Allah ne fait que le meilleur Mais il n'y a pas De quelque chose, qu'une chose qui nous touche Qui touche le croyant Ou même le musulman Depuis la piqûre d'une épine Jusqu'à plus, en passant par le souci matériel, ou quoi que ce soit, sans que Allah ne lui enlève un péché. Quant aux prophètes, bien entendu, et aux gens qui les ont suivis dans la droite voie, Allah les élève en degré, au travers donc de leurs épreuves. Donc la patience, l'endurance, quand ça continue, on dit en arabe, c'est sabara. Quand tu dis sabar ton nafsi, ça veut dire que je me suis retenu. Je me suis retenu. Quand on dit Sabartou Foulane, j'ai retenu celui-là, pardon, pour qu'il ne parte pas. J'ai retenu un tel pour qu'il parte. Sabartou fulan un tel. J'ai retenu quelqu'un. Mais quand on dit Sabartou, avec deux B, Chedda sur le bas, Sabartou fulan, c'est-à-dire je l'ai incité à se retenir. Sabartou, c'est je l'ai retenu. Karim que Dieu le récompense par le meilleur, il est, il est là, à la partie technique, il est là. Et quand j'ai dit sabar karim, ça veut dire que j'ai retenu karim pour que Mohammed arrive. Mais quand il dit sabar tou karim, il lui est arrivé des choses qu'il n'aime pas. Je lui ai rappelé que c'est là le sabre qu'il faut, il faut de la patience. Donc je l'ai incité à patienter. Et donc ça, ce sont des subtilités. Et la langue arabe est très belle, je dirais comme toute langue. Mais Dieu a choisi le Coran dans cette belle langue donc, euh, et pour garder sa parole incréée jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Qu'est-ce que c'est donc euh, cette patience Cette patience se divise, comme on le sait naturellement, en deux parties. Chacune des parties est divisible par deux. Je m'entends. Je ne veux pas être technique, mais c'est pour qu'on comprenne bien combien ce don est incommensurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer. Le prophète Allah nous a dit il n'y a rien, il n'y a aucun don qui soit meilleur et plus vaste que le sabre que la patience. Quand la patience a été donnée à quelqu'un, vraiment Allah lui a donné beaucoup. On verra que chacun d'entre nous est patience ça dépend dans quel domaine. Mais une patience noble, la noble patience, est ce qui accompagne forcément la foi. Allah jure par le temps. والعصر سورة 103 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله جور par le temps et Allah peut jurer par ce qu'il veut puisque c'est lui qui a tout créé quant à nous nous ne pouvons jurer que par l'être suprême c'est à dire Allah celui qui jure par autre que Allah a associé ou a mécru comme l'a dit le prophète صلى alayhi عليه وسلم Bien sûr, c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Koufre à Pour revenir à notre sujet, l'imam Shafi, le troisième des quatre imams, on lui fait dire si Allah n'avait révélé que cette surat, ça aurait suffi à ses serviteurs. Allah jure par le temps. L'homme est certes en perdition. C'est pas qu'il est perdu, il est en perdition constante. Exception faite des croyants. Il est la dina Manou. Tous les croyants sont en perdition sauf ceux qui traduisent la science qu'ils ont dans le cœur par les actes. qui ont fait les bons actes. Wa qui s'enjoignent donc la vérité, on dit ici l'islam, wa parce que s'enjoindre la vérité nécessairement implique des désagréments. Implique nécessairement des ennemis, implique nécessairement de supporter, et c'est pour cela que le degré le plus élevé est certainement le degré des prophètes, puis les héritiers qui ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jure par le temps, il jure par ce qu'il veut. Tous les hommes, l'homme en général, et tous les hommes sont en perdition, en voie de perdition. Ils ont tout perdu. Et ils s'enfoncent dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, grâce à lui qui ont fait les bonnes actions grâce à lui et qui s'enjoignent grâce à lui les, les bons conseils, c'est-à-dire ce à quoi invite Allah, ce à quoi, ce pourquoi les prophètes ont été envoyés, entre autres, et ensuite qui patientent à l'exemple de ces prophètes-là par rapport à ce qu'ils peuvent entendre, par rapport à ce qu'ils peuvent subir. Et donc, ce, ce sabre est obligatoire, disent les savants. Le sabre, il est obligatoire. Ce n'est pas une question que C'est bien de patienter. Non. Là, c'est obligatoire de patienter. Ça dépend dans quel domaine. Parfois, c'est obligatoire. Parfois, c'est interdit. Parfois, c'est recommandé pour des choses recommandées. Quand c'est obligatoire, c'est parce qu'il faudrait faire la chose. Quand c'est interdit parce que là, il faudrait ne pas faire la chose, ça peut être reprouvé quand il est déconseillé. Donc, ce sont les cinq types d'actes dans le FEKA. Dans la jurisprudence, il y a ce qui est obligatoire, le fort, il y a ce qui est recommandé, qui est donc le, musta, le, le mustahab, il y a ce qui est euh, licite, ce qui est mobah, ce qui est macro, qui est donc euh, reprouvé, et il y a le haram qui est interdit. Donc le sabre épouse tout ceci. Et le sabre, on a toujours besoin du sabre. Quel que soit l'acte. On a besoin de la patience, puisque tout acte oscille entre un ordre, une interdiction, une épreuve à laquelle on ne peut pas faire grand-chose, et un don ou un bienfait pour lequel on doit remercier Allah. Dans tous ces cas, et ce sont les quatre cas que l'on rencontre, dans tous ces cas, on a besoin de savoir, comme on le verra Inch'Allah. Allah. Dans, on espère. Pouvoir détailler. Donc, le sabre, c'est, disent les savants, de façon unanime, c'est une obligation. Son importance se mesure par l'ordre qu'Allah donne à son prophète et aux croyants. Ya ayu ladina amanu, sbiru, wa sabiru, wa takhullah la'allakum tuflihoun. vous les croyants, soyez patients. Il a dit Biru. Persistez dans la patience vis-à-vis -vis de l'ennemi. Soyez sur vous. Soyez aux aguets. qui a donné Murabetoun. qui a donné Marabou. C'est ce qui restait sur les remparts en train de surveiller l'ennemi. Donc c'est Soyez vigilants. Soyez sur vous. Soyez aux est, le zagué. Allah afin que vous réussissiez. verset 200, c'est le, le dernier verset de la surah Ali Imran. Allah dit subhanahu wa ta'ala Ya <t 'en> amanu, <avance> vous les croyants, prenez les moyens de vous aider par le sabre, par la patience et par l'invocation ou par la prière. Ou par la prière, soyez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surah Al-Baqarah. Surah 2 verset, donc 153. Il dit ailleurs, auparavant, avant les, les premiers versets, il dit. Wa-stainu sabri wa wa al Verset quarante de la sourate deux. Et dans nos prières, nous disons quoi? Ya il wa ya qu'un stainu Ibn Qayyim disait Allah fait des cent quatorze livres qu'il a résumé dans quatre: la Torah, l'Évangile, les Psaumes et le Coran. Il a résumé les trois premiers dans le Coran. Tout le Coran a été résumé dans la fatiha que nous lisons au moins dix-sept fois par jour. Pour ceux, sauf trois catégories de personnes qui, pas à faire la, qui ne sont pas obligées plutôt de faire la prière, 17 fois par jour. Et Allah dit, recherchez, et tout le, toute la fatiha a été résumée dans le quatrième verset, « il y a qu'un nasta'in » C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc Allah dit, rechercher le secours auprès d'Allah au travers de la patience. « Astainu bi wa wa et la prière ou de l'invocation. Allah cite, dit l'imam Ahmad, que la miséricorde, le quatrième des quatre, 90 versets où il mentionne le sabre dans le Coran. Dans le Noble Coran, il y a 90 versets. Dans 16 contextes différents. Dans l'ordre, dans la louange de ces gens, dans ce qu'il leur réservait réservé comme récompense et dans différents contextes. Donc, ça c'est un ordre recherché, donc l'aide auprès d'Allah au travers de la patience et au travers de la prière ou d'invocation. Donc ce sabre, disent les savants, se compose de trois parties. La patience devant l'ordre ou les ordres d'Allah cest à l'obéissance d'Allah. Ceci est une obligation. Quand Allah ordonne une chose, et il n'ordonne que le meilleur, quand Allah ordonne une chose, c'est que la chose, le bien l'emporte sur la chose pour ne pas dire elle n'est que bien. Ça, c'est la première catégorie du sabre, et Allah n'a besoin de rien. Deuxième catégorie du sabre, qu'il faut manifester, qui est obligatoire, c'est le sabre Dans, devant ce qu'Allah a interdit. Et Allah n'a rien interdit si ce n'est ce qui est mauvais ou le mal l'emporte. Sur le bien. Comme il le dit entre autres pour l'alcool, pour le vin, on t'interroge sur le vin, dit il y a du bien, il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien. C'est la raison pour laquelle Allah a interdit la consommation donc de l'alcool. Ça, c'est l'un des premiers versets qui n'a pas interdit l'alcool et ensuite il va interdire complètement l'alcool, la consommation de l'alcool, mais c'est l'un des versets qui a anticipé l'interdiction définitive de l'alcool dans le Coran. La troisième catégorie de sabre, la patience, que beaucoup considèrent en fait comme la patience, avec un grand P. En réalité, ce n'est pas ça la patience, qui est donc la patience devant l'arrêt ou les arrêts d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret, quand c'est qui arrive à telle personne est patiente. Alors qu'en réalité, je dirais même c'est le degré le moindre des trois, puisque on n'a pas le choix. Une maladie, une douleur, la perte d'un être cher, bien que cela rapporte aux croyants au paradis, le paradis, c'est le moindre degré de patience. Pourquoi? Parce qu'on partage ce degré avec le croyant, le non-croyant, le pieux comme le pervers, même avec les animaux, puisqu'on n'a pas de volonté propre. Dans les deux premiers, on peut obéir à Allah, grâce à Allah, ou on peut les désobéir. Mais c'est un choix que l'on fait. C'est le sens même de la vie. C'est la mise à l'épreuve que Adam, le père de l'humanité, a accepté. Nous avons proposé le dépôt de confiance ou la liberté au ciel et à la terre, aux montagnes. Ils ont été effrayés. Ils ont été effrayés et l'homme s'en est chargé. C'est vraiment un très grand injuste, un, un très grand ignorant. Verset le dernier, verset 72 de la sourate 33. Et donc, le, un animal, un non-croyant, peut être plus patient de ce point de vue, qui peut perdre sa famille dans un accident ou dans autre chose, qui peut perdre un, un pied, qui peut, qu peut être atteint d'un cancer ou d'une maladie, et il verra la personne patiente. Donc, si la personne fait cette patience pour Allah, très certainement elle sera récompensée. Le prophète Allah nous a enseigné que le miséricordieux qui éprouve et les plus éprouvés sont les prophètes. Ce sont les gens qu'il a aimés. Celui que, qui est éprouvé dans ce qu'il aime le plus. Dans les deux qu'il aime le plus, on dit ce sont les yeux. Et qui patiente n'a d'autre récompense chez Allah que le paradis. Quand les anges accompagnant l'ange de la mort, viennent recueillir l'âme de l'enfant d'un croyant, Il remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui, bien qu'il qu sache, c'est lui qui les a créés, comme il a tout créé, sans besoin, il leur dit, vous venez de prendre, n'est-ce pas, l'âme d'un être cher. À mon serviteur, qu'est-ce qu'il a dit Les anges disent, bien qu'Allah le sache, il a dit, « Inna lillahi wa inna ilayhi rajouan. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est une expression qui est plus que recommandée, que l'on trouve notamment dans la sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157. Wa lana wulamna kum bi shee min wal-jou' wa naqsim min al-amwal wal-anfus wa al-thamrat wa basiri sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Nous vous éprouverons certainement بشيئن, un peu من الخوف par la peur ou la faim ونقصيم, et la diminution de vos biens et de vous-même à travers la maladie et annonce la bonne nouvelle aux patients. Qui, quand euh, une mossiba leur arrive, un malheur leur arrive, ils disent, lillahi wa inna ilayhi à Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. On le dit souvent sans vraiment s'en rendre compte. C'est Allah qui le dit, A -a donne, annonce la bonne nouvelle aux patients. Quand une mossiba leur arrive, ils disent « Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. »« A alayhim À ceux-là, nous avons réservé une compassion, un pardon de la part de leur Seigneur, une miséricorde et une guidée. C'est pour cela que quand certains Parmi les connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il arrive quoi que ce soit, mais il a patienté. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais comment ne vais-je pas patienter? Alors que Allah m'a promis trois choses. Sa miséricorde. Le pardon avant. Salawatu min Rabbi. Mir Rabbihim. Et muhtadun C'est cela qu'il a guidé. C'est pourquoi. La plus grande des demandes, raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa taala au moins 17 fois par jour en restant là, surat al fatiha et mustaqim, la hidayah, la huda, surat mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, c'est la plus grande, le plus grand besoin et la plus grande invocation que l'on puisse faire. Ce n'est pas du pain que l'on demande. Ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une femme pieuse que l'on demande, même si tout ceci nous est cher. Mais on demande avant tout, 17 fois par jour, à Allah subhanahu wa ta'ala guider. Et donc Allah accorde à celui qui est patient et qui, quand un une malheur lui arrive, il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Quand je dis « il dit », c'est que ça vient de son cœur. Le réflexe du croyant, c'est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui arrive. Si possible, avant, en tout cas, au moment où ça arrive, parce que le sabre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi c'est au moment. En effet, le prophète alayhi a trouvé une femme en train de pleurer son enfant, décédé. Il passe là, c'était le plus compatissant des hommes. Il dit Crains Allah et sois patiente. Elle lui répond, Machinalement, ça se voit que c'est pas toi qui es éprouvé. Et le prophète, alayhi l'a laissé, sans commentaire, il est rentré chez lui. Après, on a dit à cette femme, ne sais-tu pas que c'était le prophète? Alors, elle a regretté, bien entendu, malheureuse qu'elle était, elle a été demander la permission pour demander pardon au prophète, sallallahu alayhi wa ah, Je savais pas que c'était toi, a-t-elle dit. Et lui, de répondre, à la patience, c'est au moment où la chose arrive. La patience, c'est au moment où la chose arrive. C'est pour cela que les anciens, ils ont dit celui qui n'a pas la patience du noble se contentera, se consolera plutôt, par la patience de l'animal ou de la bête. Celui qui, quand une chose arrive, patiente sur le moment, ça c'est ce qu'on appelle la belle patience. Sabaran Jamila, comme l'a dit Allah, l'a mis dans la bouche de Yaqub, Israël. Quand euh, ils ont comploté contre son fils, Chéri, qui était Youssef... Savaran Jamila. Une belle patience. Ça, c'est la patience du noble. Et qui est plus noble? Qui sont plus nobles que les prophètes alayhi Notamment Yusuf salam, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, Ibrahim Savaran Celui qui ne peut Patiente pas ou qui ne manifeste pas la patience des nobles se consolera par la patience des bêtes. La bête, elle patiente. Elle n'a pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Et d'autres ont dit, d'autres gens de science, ils ont dit la patience de l'homme noble correspond à la patience que va manifester le sot ou le stupide un mois après. Un mois après. Comme combien de veuves inconsolables lors du décès de leur mari et ensuite qu'ils sont remariés inconsolable c'est le meilleur mari comment je vais faire qu'est-ce que je fais à Allah dire des mots qui sont proches de la mécréance et néanmoins ensuite bien entendu c'est pour cela que le délai de viduité d'une veuve est de 4 mois et 10 jours parce que l'être le plus cher à une femme c'est son époux et donc Allah a donné quatre mois et dix jours pour faire le deuil. Mais ensuite, des années après, parfois des mois, mais parfois des années après, elle finit quand même par se marier, malgré ce grand amour. Au moussalama, qu'elle a lagré notre mère, elle a dit que quand Abu Salama est mort, quand elle a Lagré, c'est le premier qui a émigré, comme nous en avons parlé samedi dernier, qui a émigré de la Mecque vers Médine. Ça a coûté, ce que ça a coûté à Abu Salama qui a été retenu pendant un an. Son fils a été retenu par la belle famille d'Abu Salama qui refusait au point d'avoir son épaule déboîtée. Elle dit, mais qui est meilleur qu'Abu Salama? Et quand euh, Abu Salama est mort, elle a suivi l'exemple le conseil du prophète salam de dire inna wa inna ilaihi à Allah nous appartenons à Allah nous faisons retour oh Allah remplace-moi par mieux mais pour elle bien sûr il n'y a pas mieux effectivement après le prophète alayhi sallam lui a la demandé à mariage notre travers de Hatib ibn Balta. elle dit effectivement Dieu m'a donné mieux parce que j'ai dit ceci parce que j'ai accepté ce que Dieu a envoyé et donc la noblesse la belle patience, la patience du noble, c'est le fait d'accepter ce que Allah a envoyé quand on n'a pas le choix. On perd un être cher, on est malade, on subit ce que l'on subit alors qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut rien changer. Le noble est réaliste parce qu'il connaît Allah, parce qu'il sait qu'Allah ne fait que le meilleur. Il l'accepte même si, comme l'a dit le professeur Allah quand il a prié, sa petite fille dans les bras Alors qu'elle avait quitté ce bas-monde Ou son fils, ou son petit-fils, ou son fils Ou Ibrahim Quand il s'agit du fils hein, Tu vas nous manquer Le cœur est gros, les larmes coulent Mais on ne dit d'Allah que du vrai Ibn Qayyim quand miséricorde, dit, Par rapport à cette, une situation pareille Tu peux trouver des gens qui ne croient pas Ni à Allah, ni au jour du jour dernier Qui, sont, qui manifestent plus de dignité Que des gens qui prétendent croire. Il dit qu'il y a quatre degrés vis-à-vis -vis de quelque chose qui arrive. Il y a quatre degrés. Il y a l'impuissance, complètement impuissant, ne sait pas où donner la tête, n'est pas patient, et là c'est un péché bien entendu. Dire sur Allah le contraire de la vérité, est inconsolable, ça c'est l'impuissance. Le deuxième degré c'est la patience, soit pour Allah, et c'est le mieux bien entendu, soit pour les gens. Je ne vais quand même pas pleurer, je ne vais quand même pas faire acte me dévaloriser devant les gens, qu'est-ce que les gens vont dire, mieux vaut le faire pour Allah plutôt que pour les gens, mais on appelle quand même ça de la patience. Le troisième degré, c'est la satisfaction de ce que Allah a fait. Allah ne fait que le meilleur. Facile à dire, certainement. C'est la satisfaction. Au point qu'on fait dire que ah Omar bin Khattab, lagre. si ce que j'aime et ce que je n'aime pas, hein, Ou la patience et le remerciement étaient deux chevaux, je n'aurais pas su lequel enfourcher. Et on lui fait dire également, les meilleures choses qui nous sont arrivées, c'est grâce à la patience qu Allah nous a donnée. Ça, c'est le troisième degré. Ils sont satisfaits de, ce, de leur Seigneur, satisfaits de son décret. Et ce sont des véritables croyants, ce sont des véridiques. C'est la patience qui... Va distinguer celui qui est véridique, qui n'est pas. Et Allah fait d'eux des imams dans la religion. Allah dit dans la Surah Sajda 32, verset 24 Allah dit, et nous avons fait d'eux. C'est-à-dire que Moïse, alayhi salam, dont on verra l'histoire ce samedi, Moïse, qu'Allah le bénisse et les gens qui sont et les gens qui étaient avec lui, nous avons fait d'eux des imams dans la religion du fait qu'ils ont été patients et de nos signes ils en avaient la certitude c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces signes et sa rencontre et qu'Allah ne fait que le meilleur et que très certainement tout ce qui t'arrive ne peut être que du bien, comme l'a dit le professeur Ajaban les mu'min la situation du croyant m'étonnera toujours, a-t-il dit. Tout ce qui arrive au croyant est du bien. Et cela n'arrive qu'au croyant. Quand il arrive une chose qu'il aime, il remercie Dieu et c'est du bien pour lui. Quand il arrive une chose qu'il n'aime pas, il patiente et c'est du bien pour lui. Donc cette patience-là, c'est dans la satisfaction de ce que Allah a décrété. Sachant qu'il ne décrète que le meilleur dans la mesure où c'est basé sur sa miséricorde, sa, son omniscience. Allah, c'est ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui, si ça n'avait pas été, ce que ce serait. Donc, au lieu de râler, au lieu de se plaindre d'Allah vis-à-vis des créatures, mieux vaut remercier Allah. Et ça, c'est le quatrième degré des quatre ans. Non seulement ils sont satisfaits, mais en plus de cela, ils remercient Allah, puisqu'on ne peut pas remercier Allah avant d'être satisfait, comme on l'a vu la semaine dernière. Le remerciement vient au-delà c'est après la satisfaction qu'on remercie Allah et la patience vient avant la satisfaction qui elle-même vient avant le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala ce sont les quatre degrés l'impuissance la patience la satisfaction et le remerciement ça c'est pour une chose que tu ne peux pas maîtriser qui t'est arrivée mieux vaut être dans cette position plutôt que d'être comme la bête qui va se consoler finalement un mois après un an après dans tous les cas, la personne a subi. Comme l'a dit le prophète sallam, la patience est au moment où ça arrive. Mais il y a les choses décrétées, toujours dans la troisième catégorie de patience. Il y a les choses décrétées qui ont été causées par des humains ou par des choses. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue un parent, quelqu'un qui nous dénigre. Quelqu'un qui, quelqu'un qui. On connaît la personne ou on ne la connaît pas, mais c'est la faute, ce n'est pas une catastrophe naturelle entre guillemets. Ce n'est pas un décès dû à une maladie ou autre chose. C'est le résultat d'une injustice, on dira. Et Allah est juste. Donc ce qui vient d'Allah sans intermédiaire entre guillemets et ce qui vient qui est causé par l'injustice des hommes. Et qui va être payé nécessairement, puisqu'Allah a interdit l'injustice et nous a interdit entre nous. Ce type d'injustice, également, dit Ibn Qayyim, il y a quatre niveaux. Soit on pardonne, la patience consiste à pardonner à la personne. Et bien entendu, c'est pas facile là. Et celui qui pardonne, Allah pardonne. Et le pardon est aimé d'Allah. Et Allah est pardonneur, grand pardonneur. Et c'est un travail à faire au travers notamment de l'invocation d'Allah, et de la purification des cœurs et de l'âme. Souvent, on est inconsolable. Je ne te pardonnerai jamais. Et si Allah ne te pardonnait pas Ce n'est pas parce que tu as pardonné ma soeur qu'Allah va pardonner. Allah est juste. Et au jour du jugement dernier, tu seras content. C'est le jour des pauvres, où personne ne peut quoi que ce soit pour personne. Allah seul, Subhanahu wa Ta'ala, va rétribuer. Et sa miséricorde doit faire que il va prendre les bonnes actions s'il y en a de ceux qui ont fait injustice sur d'autres, y compris la femme qui a séquestré une chatte et la chatte en est, en est morte. Il va prendre les bonnes actions des gens pour le donner à ceux qui ont été injustement traités. Et s'il n'y en a plus de bonnes actions, prières, jeûnes, bonnes euh, sadaqas, Allah va prendre les péchés des personnes injustement traitées, il va les mettre sur la personne, même si elle a eu des bonnes actions, parce qu'elle n'en a plus, sur la personne, elle tombe en enfer qu'elle nous en prédère. Donc pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Allah est pardonneur. Mais Allah est juste. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que Allah va pardonner. Le deuxième niveau, d'ibn Qayyim, par rapport à ce que tu subis d'un injuste, c'est que Allah te lave le cœur au point que tu n'as tu pas envie même de te venger de la personne. Ça, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. On t'a fait une chose, tu as pardonné, et en plus, bon, on peut toujours pardonner, tout à avoir dans le cœur, l'envie de se venger. Là, tu n'as même plus envie de te venger. Allah l'a de ton cœur. Troisième niveau, encore meilleur, c'est le fait de contempler le destin. Si ceci est arrivé, c'est parce qu'Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Pour une raison que j'ignore. Mais ça, ça vient du destin. Et je ne peux pas me courroucer contre le destin. Le prophète Salaam nous a dit c'est l'unanimité des compagnons du prophète Salaam qui l'affirme, celui qui meurt en pensant d'une chose qui lui est arrivée, que cette chose aurait pu ne pas arriver, une chose qui n'a pas eu, que cette chose il aurait dû l'avoir, celui-là, quand il meurt dans cet état, il va en enfer. Allah n'accepte pas de quelqu'un qui a dépensé le poids du mont Houd, dont on a parlé tout à l'heure, à côté de Médine, d'or, tant qu'il ne croira pas qu'une chose qui lui est arrivée n'aurait pas pu l'éviter, une chose qu'il n'a pas eu, il n'aurait pas pu l'avoir. Ça c'est la troisième niveau. Ça c'est la contemplation du destin. Quatrième niveau, il est encore meilleur, on dira, c'est le fait de repousser le mal par le bien. Bien sûr, ça c'est le niveau d'excellence. Comme le prophète on a voulu l'assassiner, on, on, a, on a cru même l'avoir assassiné à Ohod encore, et il a dit, on dit, maudit ton peuple, il dit qawmi fayna hum la alamun. Oh, Allah pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. Il, il invoque Allah pour leur pardonner parce que lui, il les a déjà pardonné et il se reconnaît encore dans ce peuple.

Mais à cette position, n'y arrive que celui qui a patienté. N'y arrive que celui qui est d'une grande détermination. Et ça, c'est bien sûr les prophètes Et qu'Allah les bénisse tous, et les gens qui cherchent à les ressembler, et qui ont été patients. Combien ils ont été patients. Qu'Allah les bénisse. Voilà donc pour la troisième. Il reste peu de temps, mais on va quand même essayer de développer un tout petit peu le premier et le deuxième qui dépendent de la volonté. Parce qu'il y a, on a dit donc... Deux types de patience qui sont divisibles par deux. Nous partageons un type de patience avec les animaux, c'est ce qui nous arrive de façon involontaire, que ce soit corporel ou psychique. On a dit la maladie, la douleur, on n'a pas le choix, c'est involontaire. Là, on le subit et les animaux le subissent aussi. Le croyant le subit, le non croyant le subit. Et on a dit les animaux et des personnes non croyantes peuvent être plus patientes, plus patientes que le, celui qui prétend avoir la foi. Ça, c'est l'aspect involontaire. L'aspect volontaire, c'est ce pourquoi l'homme sera récompensé. Et ce sont les deux premières catégories, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah et le fait d'éviter de lui désobéir. L'obéissance à Allah, obéissance, le fait d'éviter de, de lui désobéir. Prenons la deuxième catégorie. Craindre Allah, l'aimer, patienter, craindre sa rencontre et de la désirer, c'est ce qui a amené Youssef à refuser l'avance de cette belle femme d'Aziz dans la Sourate 12. Comme Ibn Khaim le disait, il était jeune. Donc, avec plein d'envie, plein de désirs concupiscents, il était étranger. On a tendance à faire des choses à l'étranger plutôt que quand on est chez soi, parce qu'on est connu par personne. Il était esclave, puisqu'il a été vendu esclave. Et l'esclave, on lui tolère certaines choses qu'on ne tolère pas à l'homme noble, entre guillemets, même si la noblesse est dans le comportement. Et le plus noble d'entre nous, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le non-arabe, c'est celui qui a dans le cœur. Le plus de piété. Allah dit le meilleur chez vous, le plus noble chez moi, c'est le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Il était avec une femme belle. Je dis bien une femme belle. Et une femme noble. C'est ce qui fait de lui l'un des deux, l'un des sept plutôt catégories. Il fait de lui le champion ou le prototype de celui qui. Sera sous l'ombre d'Allah, l'homme de son trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre-là, celui à qui une femme belle et noble se propose pour forniquer, qui dit Je crains Allah. Ils étaient en plus en intimité, il n'y avait personne, sauf je dirais les quatre anges, et Allah suffit comme témoin. Mais il a dit Je crains Allah. Et Ibn me disait, cette, cette patience est plus importante et plus récompensée que la patience qu'il a eue quand il a été jeté dans le puits. Là, il n'avait pas le choix. C'est une patience qui était involontaire. Ses frères ont décidé de le jeter dans le puits. Il s'est retrouvé dans le puits sans autre moyen de sortir de là, si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va envoyer quelqu'un qui va aller chercher de l'eau et qui va sortir de là. Il a patienté, oui. Une bête aurait fait exactement pareil. Un homme pieux ou un homme pervers aurait fait exactement pareil. Et pourtant, lui, fait partie des meilleurs hommes que la terre a portés. Que dis-je Le prophète, alayhi salam, disait le meilleur, quand il a été interrogé sur le meilleur, il a dit c'est Youssef, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah. Il veut parler d'Ibrahim. Mais la patience dont il a fait montre devant cette femme, craignant Allah et il aura la récompense, est supérieure. Est mieux récompensé que la patience que Allah lui a fait faire quand il était dans le puits. Donc devant la désobéissance, c'est une patience dont il faut. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, si on regarde les sept catégories qui seront sous l'ombre d'Allah, qu'Allah nous compte parmi, c'est plusieurs ou une de ces catégories qui sera sous l'ombre du trône d'Allah. On verra que c'est en fonction de la tentation et la facilité à faire ils étaient très tentés ils pouvaient être très tentés et ils avaient les moyens de faire et quand on prend les sept catégories on n'a pas le temps d'en parler prenons le roi juste le professeur m'a dit sabatun fi la cette catégorie de personnes Allah les couvrira de son ombre le jour il n'y aura d'autre ombre que la sienne il a commencé par l'imam juste al-imam adil Et les savants disent, hein. c'est une tentation, puisqu'on a le pouvoir, on a tout. On peut être en colère, comme on peut être content, on peut favoriser telle personne par rapport à telle autre. On a le pouvoir de, de faire des lois, de les distribuer, du bien, de châtier qui on veut. Et malgré cela, on craint Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est tellement tentant. Et on a le pouvoir de le faire, on ne le fait pas, et ils sont rares. Je pense bien sûr aux différents prophètes, que Dieu les bénisse. Je pense aux dignes successeurs, notamment à Omar ibn Khattab, Khalalagré, et ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, à qui il a, qu il a éprouvé par donc, ce qu'ils aiment. Pareil, l'enfant. La deuxième catégorie qui a été citée par le Prophète, c'est l'enfant qui est éduqué ou qui vit dans la crainte d'Allah. La tentation est grande que de désobéir à Allah, surtout quand on est enfant. On a tellement envie de toucher, de découvrir tout, y compris l'interdit. La tentation est grande, la facilité est là, c'est un enfant. On peut même lui pardonner, comme c'est le cas souvent, on l'explique, c'est l'adolescence, ou ceci et cela. Mais l'enfant qui, grâce à Allah, obéit à Allah dans, la, dans, son, dans, donc dans cette phase de sa vie, fait également partie de cela. Et quand on prend les autres catégories, on va se retrouver toujours dans ça, ça à cause de la patience. Cette patience est d'autant plus difficile que si Allah subhanahu wa ta'ala facilite le fait de ne pas le faire, c'est pour cela que, dit Ibn Qayyim encore, elle est... le Prophète a dit il y a trois catégories de personnes à qui Allah ne, parle pas, ne parlera pas au jour du jugement dernier. Il ne va pas les regarder et a eu un châtiment terrible. Pourquoi Parce que cette tentation n'est pas là. Par cette facilité n'est pas là. Il a commencé par quoi Un roi qui est menteur. Où est la tentation du mensonge Pourquoi tu vas mentir alors que tu es le roi, entre guillemets Un pauvre qui est orgueilleux. Tu n'as rien. Comment tu vas prendre meilleur que d'autres Un pauvre orgueilleux et un vieillard qui fornique. Tu n'as même pas d'envie. Comment tu vas expliquer La tentation n'est même pas là. La facilité non plus. Et donc c'est pour cela que les récompenses seront différentes en fonction des gens et des différents types de patience. Donc cette désobéissance vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, devant le frein, quand elle est bien sûr volontaire, quand elle est involontaire, j'ai envie de faire, mais je n'ai pas. Comme le désir, charnel ou autre, alors qu'on n'a pas la capacité de le faire. Ou quand on veut posséder les biens de quelqu'un d'autre alors qu'on n'a rien à voler. Bien entendu, tout ce qui est involontaire ne compte pas comme récompense. C'est quand on est tenté, qu'on a la possibilité de le faire, que ceci est récompensé. La première et la meilleure de la catégorie, c'est l'obéissance à Allah. Allah n'a rien ordonné que ce qui est indispensable pour une vie digne. Alors pourquoi les gens disent que c'est plus valeureux que même la désobéissance Parce que disent les savants ça demande trois ça demande la patience à trois niveaux la patience avant de faire l'acte d'obéissance parce que l'âme est paresseuse parce que l'âme est nonchalante parce que l'âme préfère le repos parce que l'âme n'aime pas les efforts le fait de décider de faire une chose pour Allah. Par Allah et pour Allah, et grâce à Allah, amène des efforts à faire. Et souvent, on est C'est pour ça que les hypocrites sont connus pour cela. Avant de faire la prière, il va falloir qu'ils fassent le tour de tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont plus rien à faire. Des gens que l'on laisse sur le banc public, on, passe à, on vient à la mosquée, on prie, on revient, ils sont toujours là. Ce n'est pas un manque de temps. Ce n'est pas un manque de santé. Mais ils sont toujours là, ils sont incapables comme enchaîné. Donc avant, il faut avoir cette force, cette bonne intention dont nous avons déjà parlé dans, la première, dans le premier épisode. Il faut en plus de cette bonne intention, il faut avoir la détermination se lever faire les ablutions etc. Et il faut être résolu, même si on a un coup de fil, même si on a des urgences, quand même se lever pour faire la prière avant parce que c'est l'acte le plus aimé d'Allah. Ça c'est la patience avant l'acte. Dans l'acte d'obéissance, il y a cette patience qui veut que l'on essaye, si on prend que le cas de la prière, que l'on se, que l'on respecte les règles, que l'on s'efforce même si on est seul, si on est en groupe c'est encore plus facile, mais que l'on s'efforce de respecter les règles extérieures et surtout intérieures, que Allah soit notre préoccupation principale. On a de la prière que quand on est concentré. Chacun d'entre vous, a dit le Prophète, n'a de la prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au dixième. Donc c'est rester, autant que faire se peut, concentré dans sa prière. qad aflaha al bienheureux les croyants, alladina humfi, salatim Verset 1 et 2 de la sourate les croyants, 23. Bienheureux sont les croyants qui, dans leur prière, sont humbles ou concentrés. Et la patience après, l'acte d'obéissance. La patience après l'acte d'obéissance se traduit par le fait que la personne qui a fait n'est pas fière de ce qu'elle a fait. Au point de penser qu'elle a un mérite. C'est grâce à Allah qu'elle est arrivée là. La hawla ou la illa billah. Il n'y a de force de puissance que par Allah. On ne saurait bouger, ni regarder, ni respirer, ni dormir sans la faveur d'Allah subhanahu wa taala sa toute puissance. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Que pire encore, qu'on aille le faire pour autre que Allah, c'est-à-dire aller le raconter et Allah annule. La, la récompense de celui qui fait de l'ostentation, celui qui fait de l'ostentation, qui est fier de ce qu'il fait. Non seulement il est fier de ce qu'il fait, mais en plus il le raconte aux gens comme s'il si avait du mérite pour cela. Donc il y a cette patience également. Et de ne pas raconter non plus ce qu'on a fait en privé en matière de bien, en péché non plus, mais en matière de bien aussi. Donc tout ceci amène cette patience dans ce niveau -là, à ce niveau-là, meilleur en obéissance qu'en désobéissance, bien que, bien entendu, le fait de se refréner, de refréner ses... Envie en matière de désobéissance, de se précipiter vers le bien, ces deux catégories sont les meilleures, bien entendu, et les meilleurs d'entre eux, ce sont les prophètes, et qui ont subi ce qu'ils ont subi, comme conséquence de ce qu'ils ont fait, appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, même si parfois personne ne les a suivis, parfois grâce à Allah, donc les gens les ont suivis. La patience, il n'y a pas plus de patience qu'un amant. Donc c'est pour ça que je disais que tout le monde est patient. T as déjà vu un jeune en train d'attendre une jeune, en train de rester pendant combien de temps, en train d'attendre du matin au soir Donc, ce n'est pas une question. Là, tout le monde est patient. Certains sont patients dans le péché, ils attendent le péché. Certains sont patients dans l'obéissance. C'est de cela dont on parle. Certains sont patients en ne voulant pas obéir, en ne voulant pas désobéir plutôt. Chacun d'entre nous est patient, soit avec Satan, soit avec son âme. Soit alors avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah dit wa ma saburka illa billah. la patience vient d'Allah et tu ne être patient que par Allah il y a des moyens pour atteindre la patience puisque l'heure file il y a des moyens il y a deux moyens pour atteindre la patience puisque Allah n'a rien ordonné sans donner les moyens de le faire le premier moyen de la patience c'est la science quand tu sais qu'en patientant que c'est pour très peu de temps quand tu sais que Allah aime les patients et que Allah, comme il le dit, Allah va récompenser les patients sans compter. sur la 39, -Zumar, verset 10. Allah va, raconte, Allah va récompenser les patients sans compter. Leur récompense n'a pas de limite. Quand tu le sais, quand tu sais que Allah, si t'envoie une épreuve, c'est pour te purifier, c'est pour te... Rapprocher de lui, c'est pour t'aimer, puisque Allah aime les patients. Que Allah était avec les patients. Puisque quand tu sais tout ça, ça va t'encourager donc à patienter dans cette affaire. Et la deuxième chose, c'est, et la dernière, deuxième et dernière chose, pour les moyens de patienter, c'est la pratique. Le Prophète nous a dit celui qui veut patienter, Allah l'aide à patienter. Il y a probablement un côté inné mais c'est surtout un côté acquis celui qui veut patienter Allah l'aide à patienter ça a été rapporté un hadith authentique rapporté par Boukhari par Muslim par Ahmed par Malik par Abu Daoud par Tirmidhi tous ces savants du hadith nous ont rapporté ce hadith là une partie de ce hadith là qui dit celui qui veut patienter Allah l'aide à patienter donc c'est une pratique ne dis pas moi je ne non, non je vais pas y arriver Demande à Allah subhanahu wa ta'ala sache qu'il sait tout et que tu reviendras vers lui et qu'à ce jour-là, tu n'auras pas regretté d'avoir été patient. On en regrette beaucoup de choses sauf la patience. Rarement, mais très rarement, on regrette d'avoir été patient. Et très souvent, et très très souvent, on regrette n'avoir pas été patient. Donc Allah subhanahu wa nous donne la patience dans tous les domaines puisque dans tous les actes de la vie, on a besoin de patience. La patience dans son obéissance, la patience devant sa désobéissance et la patience par rapport à ce qu'il a décrété pour notre bien, même si on ne comprend pas tout. Donc voilà le, la fin donc, de, cette, de cet euh, épisode 13 sur la patience, l'endurance, la persévérance, qui est indispensable et qui est une obligation que d'aucuns, dans l'Imam Ahmad, dans Ibn Masoud, considèrent comme la moitié de la, la, moitié de la foi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حان ربك رب العزه اما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته